Coralie, enceinte de 6 mois de son deuxième enfant, doit se faire opérer du cœur. Elle se confie pour la première fois. Mauvaise nouvelle que Coralie vient de révéler à ses fans. La jeune femme enceinte de son deuxième enfant est à 6 mois de grossesse. La maman a dévoilé une photo de famille avec le visage de son fils Leroy pour la première fois afin d'annoncer la nouvelle. Discrète sur sa vie personnelle, elle vient de faire une grosse révélation sur sa santé. La jeune femme souffre de crises de tachycardie depuis plus de 4 ans et avec la grossesse, ça s'est accentué. Suite aux différents examens, Coralie doit se faire opérer du cœur. Après la naissance de son enfant, elle se confie pour la première fois sur le sujet. Bon rétablissement à la jeune maman. Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. La dernière fois, je ne vous l'avais pas forcément dit parce qu'il fallait que je brouille les pistes par rapport au fait que j'étais enceinte. Mais la montre, je l'avais prise principalement pour l'aspect santé. Pour pouvoir un petit peu calculer tout dans mon corps, tout simplement parce que je fais des crises de tachycardie encore plus depuis que je suis enceinte. Et la montre, en fait, elle me permet de faire, je crois que ça s'appelle un électrocardiogramme, les trucs comme ça là. Et ce qui permet pas de prévenir la crise, mais de la suivre tout simplement, de pouvoir l'envoyer au docteur parce que il faut que je me fasse opérer. Mais je peux pas parce que je suis enceinte, donc il faut que j'attende, donc on surveille. Tout simplement, c'est pas un truc de ouf, c'est pas grave, je peux pas en mourir, mais c'est bien de surveiller et c'est surtout bien d'avoir un point sur les différentes crises pour pouvoir bien cibler. Mais à coup de pas pour tous les justiciers de Snap, c'est bien la maladie du bouvré et non du beauvré, je me suis trompée. Donc, pour toutes les personnes qui me posent des questions, rien de grave, ça se soigne. On peut rester avec ça sans opération toute sa vie, c'est pas un problème. En fait, c'est des crises de tachycardie. Tout simplement, donc c'est en un coup, sans raison, le cœur qui se met à battre comme ça. Et ça vient vraiment, c'est un truc, la première fois, c'est assez impressionnant parce qu'on se dit, purée, j'ai pas fait d'effort, j'ai rien fait. Et en plus de ça, ça s'arrête pas, il faut vraiment, voilà. Bref, moi, je l'ai depuis 5 ans. Depuis 5 ans, j'ai dû faire, sans mentir, peut-être 4-5 crises. Et là, depuis que je suis enceinte, ça augmente l'intensité des crises. Et j'en ai déjà fait 2. Du coup, j'ai été faire tous les examens. Pour moi, je suis hypochondriaque, donc dès que j'ai un demi-problème, je peux camper devant un hôpital si on ne me dit pas ce que j'ai. Donc, j'ai été échographie comme quand on est enceinte. Une échographie du cœur, du dos, pour voir si tout était bien normal. Sauf qu'en fait, mon cœur est totalement normal. Et il faut prendre en fait le moment où je suis en crise. Après, comme je ne peux pas vivre 24 heures sur 24 avec un cardiologue, on est presque, du coup, ça devient vraiment inconfortable parce que quand tu as une crise en plein restaurant, bah, si tu ne sais pas la gérer, c'est vraiment, c'est un peu, c'est choquant quoi, parce qu'en un coup, sans raison, tu as tout qui commence à hyper fort, tu te dis, mais en fait, je vais clamser quoi. Et c'est ça qui fait un petit peu peur. Mais il y a aussi, du coup, où les médicaments à prendre quand tu as une crise, ou alors une petite opération, enfin une petite opération, c'est quand même une opération du cœur, où ils vont venir brûler une espèce, l'espèce de petite veine qui te fait cette tachycardie qui mesure 1 ou 2 mm, un truc comme ça. Mais voilà, mais cette opération, on peut pas la faire en étant enceinte, donc je la ferai quand j'aurai accouché, tout simplement. Voilà, sinon allez voir sur internet, on vous explique. J'ai pas l'habitude de vous parler de choses aussi privées de ma vie parce que pour moi, c'est vraiment, voilà, ça reste vraiment dans l'ordre du personnel. Mais je me suis dit, voilà, pourquoi pas en parler, juste histoire de rassurer des personnes si elles l'ont. Et aussi, surtout, rassurer les personnes qui n'ont pas encore eu rendez-vous à l'hôpital ou peu importe concernant ce problème, parce que je sais que les rendez-vous, ils sont très longs à avoir. Donc voilà. N'hésitez pas à me partager votre expérience. Moi, je vous ai partagé la mienne et voilà.